Bonjour et bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation? La décentralisation est un processus d'aménagement qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers les entités territoriales distinctes jouissant de la personnalité morale. Quelle est la différence entre la décentralisation et la déconcentration? Pour parler de cette distinction, il faut partir de l'État unitaire. Puisque cette forme d'État est constituée d'une seule organisation juridique et politique pour tous les territoires et pour toute la population. Nombreux États unitaires ont connu et connaissent encore des structures décentralisées qui se caractérisent par un pouvoir central fort. Ainsi, le gouvernement central, qui va avoir une politique pour tout le territoire. Cependant, ce système est éprouvé avec le temps car il s'est avéré difficile de tout gouverner à partir des organes centraux de la capitale. En outre, on remarque qu'avec la centralisation, on est souvent coupé des réalités. Fort de ce constat, il a été jugé utile de confier à des autorités locales le soin de prendre certaines décisions qui intéressent les circonscriptions administratives. C'est ce qu'on a appelé la déconcentration. Dans la déconcentration, il y a un simple transfert de pouvoir, des décisions à des agents qui représentent l'État à la tête des circonscriptions administratives. Celles-ci ne bénéficient pas de personnalité morale. Elles sont donc soumises à l'autorité centrale et sont responsables devant elles. Pour reprendre les termes d'Odilon Baron, c'est le même marteau qui frappe, on en a juste raccourci le manche. En revanche, dans la décentralisation, il y a plutôt un transfert de pouvoir du niveau central au local et non pas une simple délégation. Ici, les instances décentralisées jouissent d'une personnalité morale et sont autonomes, car elles sont élues et non désignées. Quelle différence entre la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ? Il existe deux types de décentralisation, la décentralisation territoriale et la décentralisation technique. Dans la décentralisation territoriale, les structures décentralisées sont les collectivités territoriales ou locales. Par exemple, les communes, les départements ou encore les régions. Ces collectivités disposent de la personnalité morale, des moyens et des compétences propres et jouissent également d'une autonomie de gestion. Ces collectivités territoriales sont dirigées par une autorité élue. Cependant, dans l'exercice de leurs fonctions, elles sont soumises à la tutelle exercée par les représentants de l'État. Par contre, dans la décentralisation dite technique ou encore fonctionnelle, les entités décentralisées sont des établissements publics chargés de gérer un service public. Ils disposent également de moyens propres et ont une personnalité morale, mais n'ont pas de compétences propres. Ils n'ont que des compétences d'attribution qui correspondent à l'objet même du service public qui leur est transféré. Exemple de décentralisation technique, les universités, les hôpitaux, etc. Qu'en est-il du découpage administratif du Tchad? Les textes régissant la décentralisation au Tchad divisent les collectivités territoriales en provinces, départements et communes. La province est subdivisée en départements et les départements en communes. Au terme de la loi 06 PCMT 2021 du 6 octobre 2021, on dénombre 23 provinces, 115 départements et 414 communes sont administrées par le gouverneur et les départements par les préfets. Les statuts et les attributions des chefs des unités administratives sont fixés par décret. Rappelons que la ville de N'Djamena jouit d'un statut particulier. Elle est donc régie par un texte spécifique. Merci d'avoir suivi l'Agora de l'ENA et à bientôt pour un nouveau numéro.